Dans ce coffret Thomson, il y a plus qu'un micro-ordinateur. Il y a tout pour jouer, pour créer, s'initier aux basiques, programmer. Coffret TO7 Thomson Wi-Fi Nathan, une idée intelligente pour toute la famille. Cet enfant devra tout apprendre et tout savoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir? Oh, je ne sais pas, mais moi, j'ai ce qu'il faut. Alors, c'est mon tour après. Les maths, les langues, les jeux, on peut tout faire. Mais nous, on n'a pas l'éternité. Alors, on range. Le micro-ordinateur MO5, le lecteur de cassette, le crayon optique et les deux logiciels. Et c'est reparti. Thomson, micro-informatique, tout un monde dans un cadeau. En 1876, des milliers de gens apprenaient le morse, croyant que chacun aurait un télégraphe sur son bureau. En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. On n'apprenait plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Le micro-ordinateur VG5000 Philips est un ami qui vous accompagnera dans votre appétit de jouer, dans votre appétit de créer, dans votre appétit d'apprendre. Dans ce monde fascinant de la micro-informatique, vous évoluerez ensemble, vous et le VG5000 Philips, le micro-ordinateur complice. Hé hey Sophie, j'ai fini mes maths, on fait une partie? Le micro-ordinateur Excel Vision est une grosse tête, mais il aime aussi beaucoup s'amuser. Service, jaune. Et en plus, il parle. Et les manettes n'ont même pas de fil. Et hop. Excel Vision, facile. Demain sur votre bureau. Si vous vous contentez d'acheter n'importe quel micro-ordinateur, vous risquez de vous retrouver tout nu. Avec l'Amstrad PC 1512, compatible avec qui vous savez, tout y compris l'écran, l'unité centrale avec 512K de mémoire, le clavier et la souris. Jusqu'au 31 décembre, Amstrad vous offre pour le même prix un traitement de texte, une base de données relationnelle et un tableur graphique. Amstrad PC, le micro-ordinateur professionnel qu'il vous faut. Amstrad PC, à partir de 5 927 francs, tout habillé. Gutenberg n'aura pas le dernier mot. Apple présente avec Macintosh l'édition personnelle. Le train de l'avenir, c'est la micro-informatique. Avec la micro Thomson, donnez à vos enfants une chance supplémentaire de réussir. Offrez-leur un cadeau intelligent. Le nouveau Thomson MO6, puissant et facile à utiliser. Il a plus de 1000 logiciels en français. Micro-ordinateur Thomson, des cadeaux quand intelligents. On est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Okay. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetroue du premier qui bouge. Et se tirer dans tous les coins l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accros. Ici, les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128. À ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquettes, de cassettes intégrées. Et une seule prise, branchée. Les micro-ordinateurs Amstrad. Faites-le, ouais.
écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordre. J'ai fait des affaires. Des bonnes affaires, au bureau comme à la maison. L'autre jour, je vois le compatible d'Amstrad, le PC-1512. Très professionnel. Et très joueur. À ce prix-là, c'est un bon placement. Alors, faites comme moi. Achetez PC-1512 Amstrad. Écran, souris et logiciel à partir de 4990 francs. Ce qu'il ne vous a pas dit. Oui, si vous achetez son imprimante en même temps, vous la paierez seulement 1500 francs. Canal Commodore 64, le flash actualité. Économie. Dans les familles, on vote le budget de la rentrée. Éducation. Les professeurs sinus et cosinus enseignent à domicile. Sport. Nos chances de médaille tombent à l'eau. Merci de votre attention. Ce journal était réalisé avec le micro-ordinateur Commodore 64 et quelques-uns de ses 600 logiciels. 6000 logiciels. Chapeau, Commodore. Un ordinateur, pour moi, c'est Amstrad, sans discussion, parce qu'on a le même dans ma classe. Amstrad 6128, 3990 francs, réussite comprise. Salut les petits crocos studieux. Amstrad, la qualité. L'innovation en plus. Avant, il était difficile d'équiper toute une entreprise avec des ordinateurs performants, cela coûtait trop cher. Aujourd'hui, c'est facile grâce au PC 1640 Amstrad et son écran haute résolution. La qualité et l'économie marchent du même pas. Amstrad, la qualité. Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes. Mais sache qu'au moment de décider, tu seras seul. Tu ne pourras pas compter sur eux. Leur intérêt n'est pas le tien. Tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour penser. S'ils se mettaient à penser, ils commenceraient à vouloir changer les choses. Et ça n'est pas dans leurs compétences. N'oublie jamais qu'ils te doivent tout. Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres. Monsieur, une chose que vous ne savez pas, moi, mon fils, il a un scotter, comme ça. Ouais, et ben moi, mon fils, il a une gonzesse, comme ça. Oui, mais moi, mon fils, il a une shiny fille, voilà. Moi, mon fils, il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique. Amstrad lance le nouveau Sinclair, une puissance à ne pas mettre entre toutes les mains. 128K, une mémoire monstre. Un prix monstrueusement petit, 1590 francs, avec une manette et 6 cassettes. Sinclair Spectrum Plus 2 par Amstrad. Pour recevoir une documentation ou pour commander, téléphonez au 16 145 316 316. Où en était la micro-informatique quand Toshiba introduisit sur le marché son premier micro-ordinateur portable? Aujourd'hui, le portable est en pleine ascension et Toshiba est numéro un du secteur avec dans sa gamme de petits micros aussi puissants que de bien plus gros. Messieurs, voici nos résultats de l'année. Quant à la concurrence, eh bien, elle avance aussi. Chim, chim. Toshiba, l'empreinte de demain. Mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 61, 28 plus, c'est un vrai micro. Tes cours, tes maths, ton traitement texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole un max sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs. Son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 61, 28 plus Amstrad, sur cartouche et disquette. En affaires, il y a ceux qui donnent les coups et ceux qui les reçoivent. Pour que vous soyez inattaquable, Commodore, deuxième constructeur mondial, a conçu ses micro-ordinateurs comme des armes. Commodore, on ne gagne pas une guerre avec de bons sentiments. Goupil, les ordinateurs. Salaire sur 13 mois ? 13 mois. Intéressement ? C'est prévu. Une assistante ?
Vous la partagerez avec vos collègues. Aucun problème. PS2 ? PS quoi ? Un micro. IBM PS2. Non, on n'est pas... Je suis désolé. Un IBM, c'est tout. Ah. IBM, c'est tout. Où sont les enfants ? Ils sont là-haut. C'est l'âge bête. Oh. Ils n'ont goût à rien. La musique est elle, ben, ça fait deux. Et lui, il sait même pas tenir un crayon. Vous ne connaîtriez pas un bon psychologue? Dites-leur Atari. Dans les ordinateurs portables, vous avez des puissants pas vraiment portables, des portables pas du tout puissants et des importables impuissants. Et puis vous avez Compaq. Compaq, c'est un concentré d'informatique. Le maximum de puissance dans le minimum de volume. C'est normal qu'en étant plus léger et plus puissant, Compaq avance plus vite que les autres. Compaq, à suivre. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un Compaq. 1. Vous choisissez votre programme. 2. Vous appuyez sur le bouton. 3. Votre information est traitée immédiatement et vous avez un résultat impeccable. C'est pas plus compliqué. Et un ordinateur qui travaille aussi bien vient à bout de toutes les tâches. Et tout en douceur. Compaq à suivre. Chez Compaq, nous savons que l'achat d'un ordinateur soulève bien des questions. Et nous y apportons la réponse. Le Compaq Presario. Un ordinateur puissant avec logiciel intégré qui corrige votre orthographe ou équilibre vos comptes. En fait, le Compaq Presario peut même répondre à vos questions. Oh, si vous avez le téléphone, il peut aussi y répondre. Bonjour, nous ne pouvons répondre à l'ordinateur pour l'instant. Laissez-nous un message. Le nouveau Presario de Compaq. Intel Inside. Ces deux mots à l'extérieur signifient qu'à l'intérieur se trouve le microprocesseur qui a inspiré la plus vaste bibliothèque de logiciels jamais créée. Le microprocesseur Intel vous ouvre les portes de cette bibliothèque, vous donne accès aux meilleurs logiciels d'aujourd'hui et de demain. Pour votre prochain ordinateur, exigez Intel Inside. Redouter un futur où toutes les puissances seraient opposées. Heureusement, on en a inventé un autre où elles peuvent être compatibles. Power Macintosh est là. Vous ne l'attendiez pas tant du futur. C'était comme ça. D'un côté, au bureau, des super ordinateurs, des Compaq, par exemple. De l'autre, à la maison, pratiquement rien. L'ennui. C'était cloisonné. Alors, Compaq, numéro 1 de la micro-informatique, a inventé Presario. Un vrai Compaq pour la maison. Vous travaillez si ça vous chante, vous apprenez, vous jouez. Compaq Presario, quand ça commence, ça finit jamais. Compaq à suivre. En informatique, on a vraiment l'impression qu'ils font tout pour qu'on ne puisse pas comparer avant d'acheter. Non, ils n'ont jamais la même vitesse, jamais la même taille, jamais le même prix. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Alors, juste une question. S'il n'y a pas vraiment de différence de prix entre eux et un micro IBM, alors pourquoi ne sont-ils pas conçus et fabriqués comme un IBM? Et puis entre nous, pourquoi tous les portables ne sont-ils pas conçus comme les ThinkPad d'IBM? J'ai des clients à Lyon, à Francfort, à Barcelone. J'ai un inventaire à faire à Bruxelles. Une production au Portugal. Un prospect à Milan. Mon associé est en Californie. Vous pensez que je suis complètement déboussolé? Au fait, où suis-je? Je suis au centre de tout. L'important n'est pas ce que l'ordinateur peut faire, mais ce que vous pouvez en faire. Celui qui a choisi Olivetti sait qu'un ordinateur plus rapide rend les carrières plus rapides.
Olivetti, l'avenir est à ceux qui pensent plus vite. Quand papa, quand j'ai hérité du fauteuil du président, me suis dit qu'il était grand temps de rajeunir notre bureau. Je suis alors passé chez Radio Shack. Grâce au TRS 80 de Radio Shack, la maison Legrand est plus compétitive. La productivité grimpe et les opérations complexes sont devenues un jeu d'enfant. Radio Shack a même aidé à la formation de mon personnel. Le TRS 80 de Radio Shack le prouve. Dans les petits pots, les meilleurs, Legrand. Oh non. Oui, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette là? Un ordinateur. La Nidine Tailleur offre cette semaine le Commodore 64 avec moniteur et table de travail à 749,97 et avec le VIC 20 à 159,99, le dataset est 29,99. On peut faire des tas de choses avec ce Commodore-là. Le magasin des aubaines pour Noël. Et pour Gédéon, Nika, Livon. C'est Canadian Tire. Chez Apple, quand nous avons inventé l'ordinateur personnel, nous étions seuls au monde. Puis, très vite, on aurait cru que tous et chacun essayait de faire mieux qu'Apple. Eh bien, quelqu'un a réussi. Lisa, d'Apple. Si perfectionnée que nous nous retrouvons au même point, seuls, encore une fois. Bientôt, il n'y aura plus que deux sortes de gens. Ceux qui se servent d'ordinateur et ceux qui se servent. Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bélier termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64. Éric a un problème de géographie, mais il trouve la réponse à l'écran. Commodore. Mais l'ordinateur à la portée de... Si vous deviez choisir un ordinateur, un seul ordinateur pour le foyer, un ordinateur qui puisse passer les milliers de programmes MS-DOS utilisés pour la gestion et l'enseignement, un ordinateur personnel extensible pour des applications plus puissantes, vous choisiriez sans doute le nouveau Tandy 1000EX de Radio Shack, en solde jusqu'à Noël à 999 $. Le Tandy 1000EX, en exclusivité chez Radio Shack et dans les centres d'ordinateurs Tandy. Vous avez sûrement entendu parler de nos ordinateurs MS-DOS de Tandy. Mais connaissez-vous notre tout nouveau Tandy 1000EX? Vous pouvez maintenant passer des milliers de programmes MS-DOS très populaires sur un ordinateur personnel à un prix abordable, parfait pour les étudiants ou pour finir votre travail à la maison. L'ordinateur Tandy 1000EX, une valeur sûre, offert à seulement 999 $. Vous le trouverez dans tous les magasins Radio Shack et les centres d'ordinateurs Tandy. Le Tandy 1000EX pour les gens sérieux. C'est pourquoi Tandy est vraiment supérieur. Votre télé est un écran d'ordinateur domestique. Plusieurs ordinateurs offrent des graphiques assez fades, d'autres un peu moins. Enfin, il y a la nouvelle gamme d'Amiga 500 de Commodore. Avec plus de 4000 couleurs et un peu d'imagination, vous pourrez faire vos travaux scolaires, de l'édition électronique, de la musique en stéréo et même du traitement multitâche. Il en fait plus que certains ordinateurs qui se vendent presque deux fois plus cher. Seulement l'Amiga peut vous l'offrir à si bas prix. Vous vous êtes toujours dit qu'un jour vous auriez un ordinateur familial. Il était facile à utiliser et à prix abordable. Si sa puissance vous permettait de faire du travail à la maison, s'il était simple à installer et que toute la famille pouvait s'en servir, eh bien, ce jour est arrivé. Voici le PS1 IBM, un nouveau type d'ordinateur familial doté des caractéristiques que vous souhaitiez. Celui qui vous fera dire sans hésiter, IBM, un ami de la famille. C'est juste un homme, Apple Computer. My Apple has a great head for stats. It sure makes my job a lot easier. There are more people in more places doing more things with Apples than with any other personal computer in the world. Man, we never travel without the Apple. And of all these people using Apples, most had never touched a computer before. Apple, the most personal computer. Like humans, computers have memories. Unlike humans, their memories shrink when they work. Functions like color, sound, and movement use up large amounts of memory, leaving little for you to use. The new Auric Atmos, however, takes these functions in its stride, leaving lots of memory, so you can expand into advanced programming and sophisticated games. The new Auric Atmos 48K, the large memory that stays large. Thank you.
Amstrad 8256 is a complete word processor. It has a big 256K memory, a high-resolution monitor with built-in disk drive, and inclusive word processing software, as well as a fully integrated printer. Yet it costs just £399 plus VAT. When you update the office, shouldn't you make room for one? The Amstrad 8256, more than a word processor, for less than most typewriters. Let the Radio Shack TRS-80 put the world of color computing into your home. Instant loading program packs turn any color TV into an exciting game arcade. And there's more. The color computer is an educational aid, a home management tool, an up-to-the-minute electronic information service. The programmable, expandable TRS-80 color computer from $399 only at Radio Shack, the biggest name in this little... This is an Apple II. And this is an Apple also. This Apple is the original personal computer. Easy to own, easy to use. And both Apples can help you get ahead in school. But this one can help you get ahead in life. It can do forecasts, manage money, edit reports. You can use this Apple thousands of ways to be more productive. Only one problem, you can't eat it. Apple, the personal computer. Computers have always scared me. I grew up believing that only scientists and engineers could understand them. Then I started to work with Apple personal computers, and I learned how easy it is to use one. You can do sales forecasting and general bookkeeping and even financial charts and graphs. See? Frankly, at the moment, I have no reason to do all of these things, but who knows? Show business being what it is, I might. Apple, the personal computer. Why buy just a video game from Atari or Intellivision? Invest in the wonder computer of the 1980s for under $300, the Commodore VIC-20. Unlike games, it has a real computer keyboard. With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games, too. Under $300, the wonder computer of the 1980s, the Commodore VIC-20. Coming soon, Commodore brings you GORF, the wonder arcade game, and Omega Race in home version. When it comes to home computers, the Atari home computer gets high grade. I use an Atari at home, and I use it for word processing and to teach myself other programming languages. Well, the graphics are probably some of the best you can find. The Atari 800 computer not only allows you to play games, it also allows you to learn math and history. Only one computer lets you enjoy this library of over 2,000 enlightening and entertaining programs. Atari home computers. The more you learn, the more you can program, and there's just no end. Keeping up with the Commodore, cause the Commodore is keeping up with you. In a world of fun and fantasy, and ever-changing views, and computer terminology, Commodore is news. Are you keeping up with the Commodore? Person who goes to work may not have far to go, but at the hat of the month club, the boss better keep moving to keep the books, organize the files, write the letters, check out the inventory, find time to create, and still keep on top of things. Yet even a thriving business can reach a point of diminishing returns. A good time to learn about the IBM personal computer. With this tool for modern times, a person can quickly master such jobs as accounting or word processing. Even use the IBM personal computer to forecast growth. All helping the business person at home to wear many hats, while selling even more. And that can be a feather in anyone's cap. The IBM personal computer. Try one on at a store near you. This is the new Apple IIc. This is a computer they call Junior. You might think they're similar, but this one can only run this many programs, while the Apple IIc can run this many. The Apple comes with its disk drive built in, so it's much smaller. Even the price is small. Now, which one would you rather take home? The new Apple IIc. Meet the lady. Her name is Lisa.
and she's the most exciting thing to happen in computers today. The Lady Lisa, beautiful, a classic triumph for Apple. Pure and simple graphic images and a clever pointing device called a mouse. But most importantly, unlimited expandability, unlimited power. Lisa, from Apple. The future today at Wallace Micromart. You're about to see a few people learn to use the newest, most advanced business computer in the world. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. Here's something that's going to make a lot of changes. A program called Atari Writer. It turns any Atari computer system into a word processor. All men are created equal. Don't you think there's something a little out of date about that? Just a little, yeah. Why don't you fix that? See, you can make corrections, move whole groups of words around, and print it out on your own stationery. Atari may make the typewriter obsolete. What's the typewriter? See? Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Collectives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory influence. Our unification, of course, is more powerful a weapon than any fleet or army on Earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Now there are more than 500 software programs for the Macintosh office. So no matter what business you're in business. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver. And can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just... How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. P.O. Box 286. DOS. Except in Nebraska. Discover the incredible power of the Atari 520ST. With the new Atari Discovery Pack, you can learn computer programming. You can discover talents you never knew you had. And create and play games as exciting as in any arcade. The new Atari Discovery Pack for less than $300. I'll tell you how the computer business works. Atari buys chips, the competition buys chips. We buy circuitry, they buy circuitry. We buy plastic, they buy plastic. But they have these expensive attachments that add to their price. So you can buy an ST from Atari with more power than the Apple Macintosh SE and more features than the IBM PS2 Model 50 at about one-third their price. Hi, Jenny. Sit down, please. What are you doing, opening a branch office? No, saving my job. They moved this meeting up to tomorrow morning. Don't you guys have computers? Sure, so what? Oh, I wouldn't even think of doing stuff like this without mine.
Well, thank you for sharing that. Oh, really nice, Steve. I'm sorry. Look, Jenny, if you can find me a computer, I can do this, or this, or this, I will buy you this entire restaurant and everything in it. Oh, waiter. Aren't you astronauts? Buzz Aldrin. Gordon Cooper. Scott Carpenter. We'd like to compare notes with Stevie on the new space station. Hello? Hi, Tommy Lasorda for Stevie. Hey, what's up? Just a question about moving Randolph to the number two position. Yeah, second, and this'll work. It's perfect. We're the Pointer Sisters. Stevie's expecting us. Well, come in. We need help with our new album. Bert Bacharach, Little Richard. The Amiga. Color, sound, graphics, power. At a price to make it truly the computer for the creative mind. Can you hear me, Steve? What can the Amiga do? Well, what do you want it to do? Mr. O'Neill, Stevie is upstairs, but it's kind of crowded. Would you like some fried chicken while you're waiting? Amiga from Commodore, the computer for the creative mind. Introducing the first portable computer you already know how to use. Excuse me. It's my computer. I seem to be having trouble. I know nothing about computers. I'm sorry. I don't know anything about computers either. Welcome back to our awesome Commodore preview with your chance to win these incredible packs. Commodore's first great pack is the Wild, the Weird, and the Wicked, featuring the brand new Amiga 600, Commodore's latest multitasking computer. With over 3,000 software titles available and over 4,000 colors and 4-channel digitized stereo sound as standard, the new 600 is Commodore's dynamic successor to the Amiga 500. The pack brings you the Amiga 600 plus these 4 mega titles. Colin Curley has lost his quavers. Help GIN retrieve all 10 packs in Pushover. Grand Prix, 16 international tracks and complete coverage of 26 cars. Amazing! Silly Putty, build your way home to Putty Moon with your robot friends, but watch out for Dazzle Daisy's nasties. And you can enjoy creating animations like they do in the movies, or visions of color with Deluxe Paint 3. This is your chance to win one of these packs every week until February 14th, 1993. Hard drive, and you just entered the whole new world of the Epic Pack with an incredible Amiga 600 HD and these amazing games. Epic, Rome, Myth, Trivial Pursuits. Add Amiga Text and the amazing Deluxe Paint 3 and it's epic, and you can win one a month until February 14th, 1993. Seeing is believing as Commodore introduced the superb Amiga CD-TV Multimedia Pack. Take the brilliant Amiga CD-TV, the world's first interactive home entertainment player, add the dynamic Amiga 600 keyboard, software, disk drive, and mouse, and you'll have the incredible Commodore CD-TV Multimedia Pack. Watch after this trailer for your chance to win these great new packs from Commodore. There are over a billion stars in the cosmos. A billion stars drifting through the infinite vastness of space. But there's only one computer that can run Windows, DOS, and Macintosh software. Power Macintosh is here. And the future is better than you expected.